Avant de partir, on boit un petit café histoire de se mettre en forme parce que je me suis quand même levé assez tôt ce matin. Et je voulais vous montrer mon petit set pour la journée d'aujourd'hui pour aller filmer ma vidéo sur le Active Track en forêt. Et donc j'ai pris avec moi le sac Peak Design. C'est pas forcément un sac très très cher, c'est un sac qui vaut, je crois, 75 euros si vous l'achetez sur Amazon. L'avantage c'est qu'on peut le porter à la main et aussi en bandoulière. C'est vraiment un très très bon sac, mais ce que je veux avant tout c'est vous montrer ce qu'il y a dedans. Là, quand je l'ouvre, à l'intérieur, j'ai pris mon petit micro Rode Wireless Go. J'avais fait une vidéo, je vous renvoie sur cette vidéo si ça vous intéresse pour voir. C'est assez pratique d'avoir un micro sans fil sur l'appareil photo que j'utilise. À l'intérieur, on a le drone ici qui attend pour aller voler dans la forêt et la batterie et la télécommande. J'ai deux batteries et la télécommande plus une batterie ici. Donc, c'est à peu près tout ce que j'ai dedans. J'ai la place ici pour mettre mon petit appareil photo. J'ai vraiment à l'intérieur de ce petit sac un set complètement minimaliste. C'est assez pratique. Allez, donc on résume. Le sac est ici. Ici, donc, c'est ce qu'il y a dedans. Donc, des petites cartes de visite si je rencontre du monde. Les filtres ND, ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. C'est pas, pour le moment, en fait, j'ai pas préparé, mais je vais vous faire une vidéo vraiment complète sur les filtres ND. Le Rode Wireless Go, donc le drone DJI Mavic Air 2, sa télécommande, deux batteries supplémentaires, contrôle avant de partir pour vérifier si elles sont chargées, oui, et deux batteries supplémentaires pour le Sony ZV-1 qui va me servir à filmer donc ces vidéos en forêt. Donc là, le matériel est prêt, on range tout et on est parti. Voilà, arrivé en forêt, voiture garée ici, là-bas, et on part dans cette direction. Trouver un endroit avec plein d'arbres. Et le premier test que je vais faire, ça va être d'aller dans cette direction avec le drone qui me suit. Et on va voir s'il réussit à naviguer entre les différents arbres qui sont face à lui. Je suis en pleine forêt et l'objet de cette vidéo, ça va être de tester le drone, le DJI Mavic Air 2, nouveau drone que j'ai acheté il y a quelques mois et je le teste dans une série de tests comme ça. Si vous avez suivi un petit peu les vidéos précédentes, vous avez vu que j'avais fait le unboxing numéro 1. En numéro 2, j'ai testé la portée pour voir ce qu'il était capable de faire et si le signal était bon à grande distance, donc je suis parti à 2 km et le drone était vraiment le signal était vraiment excellent par rapport aux autres drones que j'ai eu avant, notamment Mavic Mini, Mavic Air en fait qui était en Wi-Fi. Et là le Hoku Sync 2, ça donne une portée du drone vraiment exceptionnelle. Aujourd'hui le test c'est en forêt, on va tester le Active Track 3. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, vous avez vu que j'avais testé le Active Track 1 et 2. Notamment le 2, je l'avais testé quand j'étais à Malaga dans le sud de l'Espagne et c'était vraiment très très bon en, au milieu d'une forêt de pins. Mais aujourd'hui on est en Normandie au milieu d'une forêt avec des arbres. Je m'y connais pas du tout en arbres, mais il y a des arbres partout et donc c'est les conditions idéales pour voir si l'Active Track 3.0 tient ses promesses. Juste pour vous parler un petit peu du Mavic Air 2, c'est un petit drone, c'est le successeur du DJI Mavic Air 1 qui cette fois-ci fonctionne donc en Hoku Sync 2.0 et ça c'est vraiment la différence. Si vous avez un drone à acheter et que vous voulez un drone de très bonne qualité avec une taille raisonnable, vous voyez il n'est pas très grand et c'est le Mavic Air 2. Il coûte 849 euros en pack normal et en pack combo avec des batteries supplémentaires, il est à 1049 euros. Je vous mets les liens dans la description mais pour le moment, vu les tests que j'ai fait, c'est plutôt bon et aujourd'hui ça va être un peu un test décisif pour savoir si Active Track 3.0 est vraiment aussi efficace que ce que DJI l'annonce dans ses vidéos de présentation. Donc on allume le drone, on prépare la télécommande, donc hop, on tire ici, on récupère le câble à brancher sur l'iPhone, on installe ici les petits joysticks. En voilà un, en voilà deux. Ensuite, on glisse le téléphone avec le connecteur ici. On branche le téléphone et on peut
démarrer la télécommande, il reste à lancer l'application DJI Fly. Voilà, donc là je viens de poser le drone au sol, vous voyez sur le retour vidéo je suis ici. Vous voyez aussi en orange le détecteur en fait d'obstacles, donc il détecte qu'il y a un obstacle en face, c'est moi ici, et il y a des obstacles à l'arrière, et donc c'est ça qui va être aussi utilisé pour calculer en fonction ActiveTrack 3.0, qui va calculer en fait s'il y a des obstacles autour de lui et qui va les contourner, les éviter avec leur fameux système d'évitement d'obstacles. Donc on fait décoller le drone. Voilà, donc je ne sais pas si vous m'entendez bien, mais là, j'ai le drone donc, qui est en stationnaire face à moi. Et donc là, le drone, on va lui indiquer dans l'application DJI Fly, on va faire un rectangle autour de moi et il va me proposer plusieurs options. Donc il y a la fonction Active Track et il y a la fonction Projecteur. Si je le laisse comme ça, Projecteur, ça va lui permettre de me suivre. Alors oui, il me suit, à un moment donné, il va me perdre quand je suis caché derrière un obstacle, mais l'avantage, c'est qu'il me retrouve, et ça, c'est une des fonctions d'Active Track 3.0, c'est sa capacité à retrouver des objets qui ont disparu. On est parti pour voir la fonction suivi donc, d'Active Track, qui va suivre un objet en évitant les obstacles qui sont sur son chemin. Donc on continue avec le carré dessiné autour de moi, et on met Active Track, go, et on est parti pour le suivi. Donc là, au fur et à mesure que je m'enfonce dans la forêt, le drone va me suivre tout en évitant les objets qui sont face à lui. Vous voyez, ça marche vraiment très bien. Il analyse l'environnement et au fur et à mesure qu'il avance, il contourne les objets. Sachant que la forêt, c'est vraiment un endroit où il y a beaucoup, beaucoup d'obstacles, que ce soit des grands arbres, des petits arbres ou des petites branches. Donc c'est vraiment beaucoup à analyser et je trouve qu'il s'en sort vraiment très bien, en faisant quand même attention aux tout petits objets, les petites branches, ça peut être dangereux dans une forêt, mais dans un environnement plus dégagé avec peu d'obstacles, le drone n'a aucun problème. C'est la démonstration qui peut le plus, peut le moins. Donc là, on continue le test, je vais dans l'autre sens, donc je recule et le drone fait exactement la même chose en analysant l'arrière, donc c'est vraiment très bon. On continue le test. Maintenant, je voudrais vous montrer qu'en mode Spotlight, quand on active les joysticks du drone, on a la possibilité de toujours avoir le sujet au centre. Donc ça, c'est une fonction assez sympa aussi pour avoir des effets cinématiques. Vous sélectionnez votre sujet et vous montez, vous descendez et vous allez avoir des plans assez sympas, assez rapidement. C'est très chouette. Et voilà un autre exemple, vous voyez le drone me suit toujours, je m'assois dans la forêt et donc je joue avec les joysticks et comme le drone est en mode Active Track, je peux le faire avancer, reculer en haut, en bas, il peut aller me retrouver comme ça, c'est très bien, on a une distance à respecter, il me met sujet trop près donc on fait attention, voilà, coucou depuis la forêt. Voilà, donc là, je me remets en mode Active Track, mais cette fois-ci, je suis sur l'option parallèle. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'en fait, avec l'option parallèle, vous pouvez traquer un sujet non pas devant, non pas derrière, mais sur le côté, ce qui peut être vraiment très sympa dans certains cas, si vous voulez faire des scènes. Si vous êtes en haut d'une montagne, par exemple, ça peut être très sympa. Si vous êtes le long d'une rivière, ça peut être très sympa aussi. Ça, c'est la fonction donc de suivi sur le côté. Allez, on continue avec la dernière option de tracking, le POI, Point of Interest, point d'intérêt. Alors là, l'idée, c'est toujours de sélectionner le sujet que vous voulez suivre. Et donc, on se met en mode POI. Donc, en mode POI, le drone va me centrer au milieu et me permettre de faire un cercle parfait autour de moi. Donc, vous voyez, là, je suis au centre. Je peux aussi bouger, c'est possible, et il va toujours continuer à tourner de façon plus ou moins lente autour de moi. On peut choisir si on veut que ça soit dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Et donc ça, c'est une fonction qui est vraiment sympa. Si vous avez un sujet qui avance et que vous voulez tourner autour pour donner un effet un peu plus cinématographique, c'est un effet qui peut être vraiment intéressant. Si vous avez un sujet en mouvement, vous choisissez donc le sujet en point d'intérêt et donc le drone va tourner autour. Et c'est vrai que c'est assez pratique parce que ça va vous permettre de faire des effets assez sympas
de caméra, et vous pouvez aussi monter, descendre la caméra, l'avancer, la reculer, vous avez tout un tas d'options, et vous serez toujours au centre. Donc ça, c'est un effet que vous pouvez utiliser et qui est assez sympa aussi, le point d'intérêt POI, qui fait partie aussi du ActiveTrack 3.0. Ça, le point d'intérêt, c'est vraiment une option hyper intéressante parce que en quelques manipulations, vous avez votre point d'intérêt et vous pouvez faire tourner le drone autour et ça va vous donner un effet très sympa. Regardez, je me suis amusé à faire un effet Matrix autour de moi. C'était assez rigolo et si vous faites un peu appel à votre imagination, vous allez réussir à faire des choses vraiment très sympas. Donc voilà, je vous montre aussi que c'est possible d'utiliser le point d'intérêt tout en marchant. Vous voyez, j'ai fait un cercle. Le drone va tourner autour de moi quand j'appuie sur Go et je vais me déplacer. Et vous allez voir que le drone me suit tout en faisant son cercle tout autour de moi. Donc ça, c'est vraiment une option que je vous recommande d'utiliser. Si vous avez l'occasion, vous verrez, c'est très chouette. Et ben voilà, de retour. Donc débriefing en fait sur l'ActiveTrack 3.0 du DJI Mavic Air 2. Alors c'est clair que DJI au fur et à mesure des versions augmente énormément en fait ses capacités à suivre un objet. Et les premiers tracking moi que j'avais vu c'était sur le Mavic Pro. L'objet ou la personne était suivie en fait dans un environnement, il n'y avait pas vraiment de détecteur de collision à l'époque, je crois. En fait, il fallait faire attention à s'il n'y avait pas des objets derrière. Il y avait un détecteur avant, mais je ne suis pas sûr qu'en active tracking il fonctionnait. Bref, il y a eu ensuite plusieurs versions de drones, le Spark, le Mavic, j'ai testé le Mavic Air et le Mavic 2. Et au fur et à mesure des versions, le Mavic 2, donc quand j'avais fait le test en fait de l'active tracking, c'était vraiment génial. Ça suivait en plein milieu de la forêt de pins là quand j'étais en Espagne et j'avais été impressionné. Mais là, on est un cran au-dessus parce qu'on est sur un drone qui est tout petit avec capteur avant-arrière et en dessous et honnêtement le suivi est juste très très bon, je suis hyper convaincu. C'est vraiment une fonction que vous allez pouvoir utiliser si vous êtes en voyage, si vous avez envie de faire des plans cinématiques et que vous êtes tout seul. C'est vraiment une fonction hyper intéressante et là cette fois-ci vous n'aurez plus vraiment à vous soucier de savoir s'il y a beaucoup d'objets autour de vous puisqu'il fait bien le travail. Faut faire attention aux tout petits objets, c'est un peu l'inconvénient de l'active tracking, c'est ses limites, c'est que les capteurs en fait ne voient pas les toutes petites branchettes, donc ça serait dommage que vous l'oubliez et qu'à un moment donné le drone rentre dans une petite branche et finalement donc attention quand même aux petites branches et aux objets très fins, les câbles, les choses comme ça, parce que finalement il détecte bien les gros objets, il les contourne, mais les petits objets il faut quand même faire attention. Mais ça fait un petit peu partie du vol en drone, il faut toujours être un petit peu vigilant à beaucoup de choses et les obstacles que vous avez sur votre chemin quand vous faites voler votre drone, ça en fait partie. Mais dans l'ensemble je trouve que l'Active Tracking 3.0 avec les fonctions de Point of Interest par exemple qui sont aussi super intéressantes puisque vous allez au loin pointer un objet, vous allez pouvoir tourner autour, ça je trouve ça aussi vraiment très très bien. Le vol parallèle c'est sympa si vous êtes en haut d'une montagne et vous voulez faire voler le drone parallèlement en fait pour avoir un plan où vous êtes en train de marcher sur la montagne, c'est très chouette aussi. Les suivis avant, suivis arrière, c'est très chouette aussi pour illustrer des vidéos quand vous êtes en voyage. Donc vraiment convaincu, ActiveTrack 3.0 très très bien. Voilà, donc j'espère que mon test vous a plu. Si vous avez envie d'acheter le Mavic Air 2, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Il y a le pack combo et le pack normal. C'est vraiment, à mon avis, le meilleur rapport qualité-prix pour un drone. Si vous voulez avoir une qualité exceptionnelle avec un encombrement minimal, si vous voulez partir en voyage avec un drone qui va vous faire des très belles images, vous avez vu, moi, je le mets dans une petite pochette de 3 litres. Et je pense que c'est un très, très bon compagnon pour illustrer vos vidéos de voyage. Vous avez aussi le Mavic Mini, mais qui n'a pas de capteur. Donc, qui n'a pas de suivi non plus, de tracking. Donc, c'est un peu plus embêtant parce que je trouve qu'un drone, c'est intéressant de l'avoir avec soi quand vous êtes seul et de l'avoir en toute automatique puisqu'il y a des moments où vous allez voyager, vous êtes seul et vous n'avez personne pour piloter le drone ou les gens qui sont autour de vous ne vont pas réussir à piloter le drone. Donc, du coup, ma recommandation, c'est quand même d'avoir un drone avec un bon suivi, un bon tracking. Sinon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, j'espère que la vidéo du jour vous a plu. Si vous êtes abonné à ma chaîne et que vous suivez mes aventures depuis très longtemps, merci beaucoup.
Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, ça me fera plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est une chaîne qui parle de voyage, de technologie. Aujourd'hui, on parlait donc d'un drone que je trouve vraiment génial, le Mavic Air 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos sur ce drone. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Benji Around the World. Ciao !